Alors, les gens de Mananzak, peut-être qu'ils auront hésité de venir ici pour se soigner parce que, autant vu la. Ah, très bonne question. Les différences entre l'hôpital public et comment vous faire pour qu'ils viennent. Tout à fait. Alors, ça, c'est une très bonne question parce que je le sais déjà. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas la beauté, c'est une chose, et je crois que les Malgaches ont droit à la beauté. Les Malgaches ont droit à la qualité. Et bien évidemment, le fonctionnement sera de la même qualité que ce que vous voyez au niveau de la construction des bâtiments. Bien évidemment, les Malgaches ont droit, pourquoi pas? Parce qu'on est un pays pauvre, pourquoi? Donc, alors, je sais que il faudra un peu de temps pour que, parce que bien évidemment, je sais que les gens se disent, mais c'est pas pour nous ça. C'est pas pour nous, c'est pour les gens qui ont de l'argent, pas du tout. Et ils le verront. Ils le verront très vite. Je crois qu'au bout de quelques mois, voire grand maximum une année, je crois que les gens vont s'approprier l'hôpital. Ils auront besoin, ils viendront, ils seront soignés. Moi, nous allons jouer le jeu, bien évidemment. Hein, parce que c'est comme ça, parce que c'est le but. C'est pour les plus défavorisés avant tout. Ça, Monseigneur Alfredo, l'évêque catholique du diocèse de Mananzar, et bien là-dessus, nous sommes intransigeants, bien évidemment. Alors, je crois que très vite, ça va se. Les gens vont le comprendre. Alors. Bien évidemment, c'est une question aussi d'honnêteté, parce que les gens qui ont de l'argent, il faut qu'ils payent. Les gens qui ont moins d'argent, il faut qu'ils payent moins. Puis ceux qui n'en ont pas, et ben voilà. Je me ferai aider par les services, les maires, etc., qui connaissent, les présidents de Fukuntan, les chefs coutumiers. Je pense que, au début, il y aura peut-être un petit peu le flottement, hein, mais parce que tout le monde veut dire « Ah ben, Mitouf Daoulisike, on est tous pareils. » Alors les Fukuntan... « Manta Isike, Manta Isikariete, on est que tous pauvres. Les... » Ben non, dans la pauvreté, il y a des degrés. Voilà, donc c'est... Mais j'ai l'avantage, c'est il y a 28 ans que je suis ici. Ouais, ouais. Hein, j'ai été longtemps en brousse. Donc je sais un petit peu, je sens, je vois... Hein, donc, c'est bien que le premier responsable de l'hôpital soit quelqu'un qui était là longtemps comme moi. Mais c'est d'abord pour les plus défavorisés. Ça, c'est clair. Lorsque vous allez à l'hôpital public, à Mananzar, par exemple, la famille est là, c'est pas le personnel qui fait la toilette du malade. Hein, c'est la famille. Mais le problème, quand les gens viennent de brousse, sauf les personnes très âgées dont on s'occupe, mais quelqu'un dans la force de l'âge qui est malade, bah, la toilette, voilà, comme on doit la faire, bon, c'est vite fait. Là, ici, bien sûr, les draps, il y aura des draps et pour tout le monde, hein, et les mêmes draps pour tout le monde, le même repas pour tout le monde, hein, la toilette matinale par les aides-soignants, comme ça doit se faire, vous voyez, pour tout le monde. Hein. Alors bien évidemment, je sais qu'au début, les gens vont être un petit peu surpris.
Mais si on veut vraiment... parce que vous savez, le problème à Madagascar, pour moi, il y a deux piliers fondamentaux. La santé et l'éducation. Comment demander aux Malgaches de travailler quand on voit l'état de santé délabré en général? Bon, c'est vrai qu'il y a la tocagache, l'alcool, il y a tout ça, mais bon... Mais hormis cela, beaucoup de gens, les maladies parasitaires, les bilharzioses non soignées, qui aboutit très souvent en quelques années à la mort, hein, ça on voit, l'ascite et puis tout le reste après, hein, etc., etc., vous voyez. Donc parce que là aussi, il y aura tout un volet préventif de l'hôpital. On va pas se contenter uniquement du curatif, de soigner. Nous avons la chance d'avoir une radio, Radio Agne, que tout le monde connaît, que vous connaissez, et nous allons utiliser la radio pour des programmes de prévention. Et pourquoi pas, s'il y a des périodes dans l'année où l'activité de l'hôpital est un peu au calme, grâce à la radio, on peut dire, bah, écoutez, la semaine prochaine, ou tiens, cette semaine... Journée porte ouverte. Porte ouverte, et puis surtout, campagne de dépistage de la bilharziose, c'est-à-dire, je sais pas, c'est par exemple une analyse coûte 500 ariary. C'est rien du tout, 500 ariary, c'est en centimes d'euros, c'est combien C'est un peu plus de 15 centimes. Voilà. Bon, ben on dira peut-être que ce sera 250 ou 300, hein, ou même que 100, je sais pas, on verra bien. Et puis, j'ai pas 100, et ben ça fait rien, fais ton analyse. Ben, heureusement que t'es venu, t'as la bilharziose. Vous voyez, etc., etc., vous voyez. Alors, la bilharziose, c'est une maladie parasitaire, hein, qui sévit dans les pays tropicaux. Ah, voilà, que l'on attrape avec un cerquère qui pénètre sous la peau et qui va se loger dans l'intestin, oui. Il y a une urinaire, mais c'est plutôt dans le sud de Madagascar. Ici, elle est plutôt intestinale, oui. Mais ça fait des ravages. Mais une chose importante, c'est que c'est un hôpital aux normes internationales, mais nous sommes à Madagascar, on est obligé de tenir un peu compte de la culture locale. Alors ce qui va se passer, c'est que un malade arrive, il y a 10 personnes qui l'accompagnent. À l'hôpital public, tout le monde couche au pied du lit sur des nattes. Ici, à Sainte-Anne, c'est pas possible. À 6 heures, tout le monde doit sortir le soir, sauf une personne. Une personne qui... Parce que c'est rassurant pour le malade d'avoir quelqu'un de sa famille qui soit toujours là, hein, et qui dormira non pas sur une natte au pied du lit, mais dans nos fauteuils d'hôpitaux là, qui sont très confortables. Hein, et cette personne donc sera un petit peu, même s'il y a une infirmière de garde, le garde malade toute la nuit. Alors tout à l'heure, la question, c'est que nous sommes à 5 km de la ville. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que toutes ces personnes qui vont sortir de l'hôpital, s'il y a 10 personnes qui accompagnent un malade, un reste avec le malade jour et nuit, et cette personne accompagnatrice sera nourrie par l'hôpital également. Eh bien, toutes ces 9 autres, elles sortiront d'ici, elles n'iront pas à Mananza. Très vite, nous savons déjà qu'aux alentours de l'hôpital, il y aura ce qu'on appelle les hôtels gâches. Voilà. Hein, c'est-à-dire où les gens pourront se nourrir et puis dormir. Alors pour les auditeurs d'Espoir FM, gâche, ça veut dire malgache. Hein, donc les hôtels gâches, c'est des petites gargotes, des petites auberges, voilà, où on peut manger, se restaurer, dormir. Voilà, tout à fait. Et donc, dans le fond, sans le vouloir, mais pour le bien du malade et pour que l'hôpital fonctionne, eh bien, tout le monde... Alors, au début, ça va être un petit peu surprenant, mais les gens vont s'y habituer, sont tous là. Alors, le malade, le matin, bien évidemment, mais comme à l'hôpital public, même si pour les médecins, c'est difficile de faire respecter le règlement, autant que faire se peut, il n'y aura pas de visite le matin. C'est les toilettes, c'est le passage du médecin. Comme chez nous en France, hein? Un petit peu, mais nous l'adapterons. Nous l'adapterons. Si une personne est mal, hein, et même très mal, et que l'issue risque d'être fatale, eh bien, bien évidemment, nous. Vous savez, les règlements, il faut des principes, faut en avoir. Mais il y a des fois qu'il faut savoir, s'asseoir dessus à certains moments, bien évidemment. Hein, donc les règlements, vous savez, c'est comme le dit le Seigneur, hein, la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Hein, c'est vrai pour les règlements. Mais il y a des limites. Hein, mais ces limites, il faut parfois savoir les franchir. Un pôle mère-enfant, d'ailleurs la vice-ministre de la Santé l'avait souhaité, et bien évidemment nous entrons tout à fait dans ce que nous demande le ministère de la Santé malgache. Donc il y aura un service de gynéco-obstétrique, pédiatrie bien évidemment, dans ce pôle mère-enfant, et une petite maternité, mais petite. Alors ça surprend tout le monde, parce que tout le monde me dit, mais une petite maternité alors qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais c'est parce que les femmes accouchent au village, et c'est pas parce qu'il y aura une maternité à l'hôpital Sainte-Anne que les femmes viendront accoucher. Ce sera pour les accouchements difficiles, alors césarienne ou...
Voilà, tout à fait, pour les accouchements difficiles. Alors moi, ce que je souhaite au niveau préventif, c'est que les femmes viennent avec l'accord des matrones, des villages, et les matrones avec, pourquoi pas, hein, viennent pour les visites prénatales et pour les visites postnatales également, et puis qu'il y ait des formations à la fois pour les futurs accouchés, mais aussi pour les matrones si elles acceptent. Et il y aura moins d'accidents et tout le monde s'en trouvera bien, mais nous encouragerons les matrones à continuer leur travail dans les villages. Nous ne voulons absolument pas, voyez, je crois qu'il y a un respect de la culture. Bon, c'est comme ça, c'est pas nous qui allons changer les choses. On pourrait le souhaiter pour une meilleure, mais c'est pas forcément souhaitable. Les matrones, ce sont des femmes d'expérience mûres qui font office de sage-femme dans les villages. Tout à fait, c'est cela, les matrones. Le problème, elles n'ont pas la formation d'une sage-femme, bien évidemment. Donc, elles ne savent pas gérer les complications, en quelque sorte. Voilà, et puis au niveau de l'hygiène, au niveau de tout cela, et les conséquences que ça peut avoir, aussi bien sur l'enfant nouvellement né que sur la femme qui vient d'accoucher. Voyez. Donc, c'est tout ça. Alors, ça, j'espère que nous réussirons. Et si jamais nous réussissons cela, eh bien, c'est pas grave si la maternité fonctionne très peu au niveau des accouchements, sauf les accouchements difficiles, césariennes en particulier. Par contre, que les salles de rencontre, de visites prénatales, aussi bien pour les futurs accouchés que pour les matrones, si ce bâtiment, ces salles sont occupées en permanence, je m'en réjouis. Alors, cette histoire d'accouchement difficile me fait penser à une question. Est-ce que vous aurez des ambulances pour aller chercher des personnes ? Oui. Oui. Il y aura deux ambulances, oui. Qui ne serviront qu'à transporter les malades et qui ne servira pas de taxi. Même si le chauffeur a sa famille au bord du chemin, il ne pourra pas la prendre. Non, parce que c'est un petit peu ça, vous voyez. Je crois que si on veut un hôpital qui fonctionne aux normes, hein, parce que on parle beaucoup de normes actuellement dans le pays, et c'est bien d'ailleurs, hein, je crois qu'il faut que Madagascar rattrape le temps un petit peu perdu, je dirais. Mais il faut une exigence au départ, vous voyez. Hein. Je sais que ça peut faire peine, mais dans une ambulance, c'est pour transporter des malades. On ne peut pas transporter autre chose. Quel problème d'asepsie, d'hygiène, etc., vous voyez. Donc c'est un combat permanent que j'accepte volontiers de mener pour le bien de la population. Hein. Je disais que sans Jean-Noël, il n'y a pas d'hôpital. C'est un malgache qui est maçon, hein, qui est maçon, mais qui a cette capacité de gérer avec moi l'ensemble du projet et qui a cette capacité de lire les plans d'exécution des architectes, un couple de France, qui n'est pas toujours facile. Moi, parfois, j'y comprends rien. Jean-Noël comprend. Voilà. Donc, comme je dis souvent, il est ma tête, mes bras, mes jambes quand je l'appelle et qu'il vient vite. Enfin, sans lui, à la limite, sans lui, il n'y a pas d'hôpital. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, cet hôpital Sainte-Anne est un hôpital fait par des malgaches pour des malgaches, je crois qu'on est en plein dedans et c'est vrai. Est-ce que Jean-Noël, vous voulez nous parler un petit peu de ce projet d'hôpital et pour les auditeurs d'Espoir FM ? Jean-Noël est mon nom. C'est Sainte-Anne. Namorganti zay zany mba ikarakarana ny marary eto amin'ny toerana amin'ny diocèse Mananjary. Voilà, donc il dit que bon, il est là donc pour faire cet hôpital avec nous, bien évidemment. Mais ce que tu n'as pas, si voilà Zano, Jean-Noël, Rafali Miacha et tout, Nadia Charuta Azan et Ashano. Tu ne dis pas si tu veux travailler ici malgré les difficultés du chantier. Voilà, c'est parfois difficile, bien évidemment, hein, et pour tout le monde, et moi le premier, pour lui aussi, parce qu'il est pleinement responsable de ce qu'il fait, et qu'il fait bien d'ailleurs, mais bon, il est heureux d'aller jusqu'au bout dans ce chantier, oui.